Salut à tous! On se tourne pour parler de petites briques, voilà les briques Pantasy. Pantasy, vous connaissez, regardez d'ailleurs, j'ai déjà fait le petit ordinateur Pantasy. Le Astrol Robot qui est magnifique. Et là, vous voyez des Garfield. J'ai reçu 3 sets de briques chinoises Garfield, de briques Pantasy, on va dire. Voilà, je vous rappelle que Lego, c'est dans le domaine public. Les concurrents ont le droit de faire des briques. C'est un modèle original. Et ici, j'ai des boîtes. Regardez, les boîtes sont magnifiques. C'est sous licence. Ils ont la licence de Garfield, c'est ça que j'aime bien avec Pantasy, c'est que des briques de qualité. Mais en plus, ils ont des licences, il y a les licences Saint Seiya, je vous ai déjà montré des petites figurines Saint Seiya, Dragon Ball. Et là, ils ont acheté du Garfield. Donc j'ai 3 cirés à vous montrer. Il y en a une que j'ai pas encore assemblée, c'est des Garfield dans des petites boules. Aujourd'hui, on va commencer avec la série Miam Miam, regardez. Voilà, je vais avoir des petits Garfield de tacos, façon lasagne. Vous en avez deux qui sont derrière. C'est mignon, c'est adorable, les fêtes de fin d'année arrivent bientôt. Donc pensez-y pour vos enfants, c'est des sets qui coûtent, sur le site de Pantasy, 19€ pièce. Vous avez un code de réduction qui vous donnera 20% de remise, allez voir dans la description, voilà où je l'afficherai ici. Et puis surtout, regardez, ben c'est tout mignon. Franchement, Garfield, vous connaissez tous. Voilà, d'ailleurs, j'étais surpris de voir qu'en Chine, ils connaissent Garfield. Mais c'est une licence intemporelle, c'est le petit chat orange. Ces petites rayures noires et tout mignon. Et je trouve que ces petits sets sont sympas. Voilà, ils sont pas excessivement chers. Vous pouvez les mettre un peu partout parce que vous avez vu, j'ai beaucoup de sets en briques chinoises. Hein, voilà, différentes marques. Ça prend de la place. Ceux-là, vous pouvez en mettre un sur une étagère. Alors, c'est des sets à assembler pour décorer. Voilà. Vous verrez, il y en a qui sont un petit peu, la coupe de glace, un petit peu fragile. Donc, c'est pas fait pour jouer avec. Mais pour mettre sur l'étagère, voilà, décorer. Imaginez, vous ayez un restaurant. Un restaurant kawaii. Vous pourrez mettre ces petits sets sur des étagères. Le tacos, les lasagnes, le hamburger et la coupe glacée. Donc écoutez, je pense qu'on regarde ça et la prochaine vidéo, spoiler alerte, vous aurez les machines. Voilà, vous aurez un set de 4 machines à assembler qui sont dans les mêmes prix et qui sont vraiment adorables. Donc allez écoutez, je pense qu'on regarde ces petites figurines de plus près. A de suite les amis. Et voilà, regardez, je vais déjà vous montrer une boîte. Voilà, c'est ça, c'est des boîtes Pantasy. Vous voyez qu'ici, on a le petit sticker d'authenticité. Sous licence officielle, je vous disais. Là, on a le hamburger. Il y a une petite assiette qui est fournie, une assiette cartonnée, bien sûr. La marque Pantasy Garfield. À partir de 6 ans et plus, et derrière, on a un petit peu des images. Voilà, on voit le hamburger et on voit les 3 autres modèles de la série. Le tacos, les lasagnes et la glace. Comme je vous disais, c'est tout sous licence officielle. Voilà, c'est déposé par Starlight Film Culture Industrie Développement Shenzhen. Donc peut-être qu'il y a eu un dessin animé en Chine. Bien évidemment, c'est sous normes européennes. Recyclable. Voilà, c'est assez mignon. Donc là, on a la boîte du hamburger. La boîte de la coupe glacée qui est vraiment très mignonne. Un petit peu compliquée à assembler par contre. La boîte des lasagnes avec au milieu notre petit chat Garfield. Voilà, des feuilles de basilic. Pour le fromage, vous verrez, ils ont mis des serpents. C'est original. Et un de mes préférés avec le hamburger, c'est le tacos. Regardez comme il est mignon, on dirait un petit chat roulé dans du papier, comme dirait Alf. Notre Alf national et puis le Alf de la série. Un petit chat. Ah, puis vous voyez, ils ont fait un petit Garfield qui est tout mignon là-dessus. Alors on va commencer par la coupe glacée. Voilà, la coupe glacée est mignonne. Mais elle est un petit peu compliquée à assembler. Hein. Le socle est un petit peu dur à emboîter. Voilà, après on fait différentes parties, regardez. On a un petit Garfield tout mignon, les boules glacées, la petite paille, enfin, le petit truc décoratif, un petit truc eat, sleep, eat, alors ça veut dire manger, dormir, ah non, repeat, voilà, il y a l'air, on le voit pas trop là, donc manger, dormir, répéter, là on a un petit autocollant ici, Little Garfield, alors ça j'aurais dû le mettre devant, j'ai mis sur le côté, cette pièce est sérigraphiée, Garfield Family, tous les petits trucs la glacée sont sérigraphiés. Puis en bas, vous avez la coupe, regardez, elle est jaune transparente. Voilà, c'est assez mignon. Alors ouais, c'est un petit peu compliqué à emboîter. Voilà, ça c'est sérigraphié par exemple, heureusement. Mais on a, regardez, la petite coupe de glace Garfield. Elle est mignonne, non? Mettez ça dans un coin, ça donne envie de manger des glaces. Puis après, voilà, vous pouvez modifier un petit peu vous, comme vous voulez. Hein, mais là, on a le petit chat dessus. Alors oui, le petit chat aussi, c'est des pièces originales. Voilà, on a le petit chat Garfield, la petite queue qui bouge si vous voulez. Les cerises. Vraiment, quand il m'a envoyé les photos, j'ai dit ouais, je veux bien tester, écoutez.
J'étais parti pour un 7 Metaslug, mais j'avoue que Garfield, c'est mignon. Voilà, le seul petit défaut, je vous dis, c'est qu'il y a des pièces, des autocollants. Alors, sur 7, il n'y en a pas beaucoup dans cette série. Mais là, je vous remontre. C'est mignon, hein. Après, voilà, on a toute une série où, regardez, ils nous fournissent une petite assiette avec. Voilà, on a la petite assiette. Garfield Family. Manger, dormir, répéter. Et derrière, on a le copyright. Donc, c'est ça, c'est Project G Production. Je pense qu'il doit y avoir un dessin animé qui va sortir en Chine. Et dessus, ben là, on a cette petite construction. Miam, miam. Bon, je pense que c'est des lasagnes. Hein. Voilà. Je pense que les Chinois, ils sont quand même maintenant assez modernes. Ils mangent des trucs européens. On a un plat de lasagne avec le petit Garfield dessus. Des petites feuilles de basilic. Et ici, on a une toute petite saucisse. Le gnocchi. Et je vous disais, le fromage qui fait avec des petits serpents. Et là, la construction est originale. Parce qu'en fait, on fait les différentes couches et puis il y a des petites pièces, vous savez, des petites pièces qui permettent voilà, d'incliner. Ça fait ça, donc on a la couche pâte, tomate, fromage. Les petits serpents sont un petit peu pénibles à emboîter. Toutes les pièces sont sérigraphiées. Voilà, ça c'est bien, on a la tomate. Ah non, c'est pas la tomate, c'est le fromage, je pense, qui a brûlé. Dessus, c'est assez sympa à construire. C'est solide, hein, y a pas de soucis sur celui-là. Et comme je vous disais, bah, regardez, ça prend pas de place. Mettez votre petit chat là, hop, et une assiette de lasagne. Alors d'ailleurs, puisque je vous dis que c'est facile à assembler, vous avez à chaque fois un petit mode d'emploi, bien sûr, puisque vous pouvez acheter les 4 ou à l'unité. Bon, c'est encore en chinois et en anglais, hein, y a pas de français. Vous avez les liens vers leur site. Puis le plan de construction, voilà, il est pas compliqué à suivre. Les couleurs sont assez fidèles. Là, on a, vous allez voir bientôt, le pain, non, le fromage, le cheddar, le steak. Voilà la petite assiette. Ça s'assemble assez vite. Vous avez les séries, donc celle-là je vous montrerai bientôt. Celle-là je n'ai pas encore assemblé. Et là voilà, vous avez la série de Miam Miam. Le Garfield Family. Donc puisqu'on en parlait, voilà le hamburger. Regardez, c'est le chat burger. C'est le chat burger Garfield. Et là ce qui est bien sur ce set, c'est que cette pièce est imprimée. Voilà, sur la série électroménager, il fallait coller un autocollant. Là c'est imprimé, les oreilles, c'est imprimé. Enfin, sérigraphié, là c'est sérigraphié. On a les moustaches. Et puis là c'est pareil, on a la petite assiette. Oups, ça s'est détaché, c'est normal. Voilà, ouais, j'ai mal emboîté. Mais regardez, il est mignon. On a tout le dessus arrondi, le pain, le buns. La tomate, la salade. Mais c'est pareil, vous voyez, c'est un système de pièces comme ça qui se clipse. La viande. Et derrière, on a la queue. Hein. Ça n'est pas un rat burger, c'est un chat burger. Et la queue, c'est pareil, la queue, c'est imprimé. Les rayures, c'est imprimé, enfin sérigraphié. Voilà une conception assez originale, je trouve, que j'aime bien ces petites assiettes. Et là, hop, vous servez votre chat, regardez. Un chat burger, messieurs, dames. Tout mignon, à croquer. Et le dernier, ben regardez, c'est le tacos. Voilà, il est vraiment sympa, le tacos. J'adore. On a la galette de maïs. Sérigraphié, une tranche de salami, je pense. Dessus, il y a des tomates, du fromage, de la sauce blanche. Hop, la petite queue comme notre modèle, que vous pouvez modifier. Toute la tête est une pièce unique. On vous rajoutez les yeux qui sont déjà sérigraphiés. Puis voilà, vous placez votre petit Garfield dans le tacos. Petit Garfield à déguster. Miam, 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 miam. Regardez, un régal, non? Donc voilà les amis, vous avez cette série de 4 figurines, vous pouvez acheter l'unité. C'est pas excessif, n'oubliez pas que vous avez un code de réduction. Sinon vous achetez le modèle qui vous plaît, mes préférés c'est la glace. Le tacos. Après le burger. En dernier les lasagnes. Mais voilà, je trouve ça assez original, vous avez la petite assiette avec. Je vous l'ai dit, c'est facile à assembler. C'est sympathique, si vous êtes fan de Garfield ou fan de nourriture ou les deux. Et voilà, vous pouvez acheter un set ou tout le lot. Pour mettre en décoration par exemple. Donc allez, je vous laisse là, n'hésitez pas à laisser vos questions, vos commentaires, un petit pouce si vous a plu, vous avez tous les liens en description, et je vous dis à bientôt pour une vidéo, ciao tout le monde !